AfricaRise est une institution de recherche. Seulement, la recherche aujourd'hui a évolué. Aujourd'hui, on ne fait pas la recherche pour la recherche, on fait la recherche dans une perspective de développement. Et c'est pour cela, travaillant essentiellement comme une institution qui a un statut mixte, d'une institution qui appartient au groupe international des centres de recherche agricole et en même temps qui vient de l'ancienne ADRAWO que beaucoup connaissaient, qui est une association des États membres, nous, AfricaRise, nous avons peut-être plus à cœur que d'autres de mener une recherche qui puisse impacter sur le développement. Et pour le faire, nous remarquons que dans le dispositif, si vous voulez, continu de génération de connaissances et de son application, nous constatons aujourd'hui que quand on développe des technologies et qu'on oublie d'appuyer la diffusion de la technologie, ceci revient au même, c'est-à-dire même quand nous faisons un bon travail, ceci ne peut pas être apprécié parce que quelque part dans la chaîne, quelqu'un est faible. Et c'est pour cela de plus en plus, notre partenariat et notre implication par rapport aux autres aspects sont devenus aujourd'hui tels que nous avons des équipes que personne ne prendrait comme des équipes de recherche. Sans quoi nous sommes bel et bien une institution de recherche. Et nous sommes une des institutions du système international qui avons eu une contribution effective à travers surtout le RINERICA. Et là, je m'en vais tout de suite répondre à une des questions posées. Par rapport au NERICA, justement, c'est une variété qui s'adapte en culture pluviale sèche. Donc aujourd'hui, si vous voyez ces dernières années, beaucoup de pays, sachant qu'en investissant dans l'irrigation, ceci revient extrêmement cher, l'accroissement de leur production est venu en diversifiant leur système de culture maïs, sorgho, mil, pour faire dans les mêmes espaces où ces plantes, ces céréales sèches progressent, du riz pluvial. Et ça marche très bien avec de très bons rendements qui peuvent aller jusqu'à 4 tonnes, mais en tout cas des rendements qui sont bien au-dessus de 2 tonnes. Donc, AfricaRise, je voudrais dire qu'il y a une question. Les questions ont beaucoup tourné autour de comment satisfaire la demande. Je crois que quelqu'un l'a dit par rapport à la situation démographique. Nous savons qu'avec la démographie et l'urbanisation, la consommation du riz est en constante évolution. Maintenant, il est clair aujourd'hui, on l'a dit, c'est encore 11 millions de riz qui sont importés d'ailleurs. Mais ne vous méprenez pas, nous venons d'une conférence qui s'est tenue il y a une dizaine de jours à Thaïlande, à Bangkok. Les Asiatiques eux-mêmes, ils l'ont dit, dans un pas de temps de 10-20 ans que vous avez dit, l'avenir en matière de consommation de riz reposera sur l'Afrique. Parce que c'est le seul continent qui dispose aujourd'hui de suffisamment de ressources, de suffisamment d'élasticité en matière de capacité de développement de sa productivité pour satisfaire les demandes croissantes. Donc, dans un pas de temps de 10 à 15 ans, ce n'est pas seulement que l'Afrique va nourrir l'Afrique en termes de riz, c'est qu'aujourd'hui, les Asiatiques espèrent beaucoup que c'est l'Afrique qui contribuera à nourrir le monde en matière de riz. Et vous avez raison, aujourd'hui, les connaissances que nous avons en termes de technologie sont très peu appliquées. C'est-à-dire, si vous considérez le niveau de production que nous sommes,
nous utilisons encore très peu de semences améliorées, alors que nous en avons de très bonnes. Nous utilisons encore très peu de connaissances qui peuvent permettre d'accroître la productivité. Et donc, nous restons confiants que les gouvernants, depuis 2008, avec la crise alimentaire qu'on connue, ont investi davantage en matière de développement de leur secteur agricole. Avant, l'accroissement de la production de riz qu'on constatait en Afrique était dû à l'accroissement des superficies. Mais depuis la crise et les investissements et l'adoption des nouvelles technologies, on note aujourd'hui que c'est bel et bien un accroissement de la productivité, donc l'utilisation des résultats de la recherche qui explique la tendance actuelle. Donc nous sommes vraiment très confiants par rapport à cela. Mais je suis aussi d'accord avec les critiques qui ont été formulées par les uns et les autres. Nous avons dit que nous sommes dans une approche chaîne de valeur. Dans une approche chaîne de valeur, dans l'analyse, vous devez satisfaire les besoins de tous les éléments de la chaîne. Et aujourd'hui, la partie finalisation de nos produits, transformation de nos produits, commercialisation de nos produits pose problème. Et c'est sur ces segments aujourd'hui que nous sommes en train de mettre l'effort. Toutes ces enquêtes au niveau des consommateurs, c'est justement qu'aujourd'hui, moi je suis malien, je viens dans un pays qui produit plus de riz que nous ne consommons. Mais nous continuons quand même à importer. Ça veut dire qu'une partie du riz produit est exportée et d'autres importées tout simplement parce que vous avez les habitudes sont têtues. Hein? Il y a certaines habitudes alimentaires quand on te fait du bon tchèp, si ce n'est pas le riz brisé, bon. Donc c'est pour cela que vous avez beau produire du riz de qualité si vous ne savez pas prendre en compte toute cette complexité de la demande, vous ne pouvez pas satisfaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette demande. Aujourd'hui, nous devons aider les producteurs et nous sommes à une conférence des petites et moyennes entreprises. Justement, nous pensons que ces entrepreneurs devraient pouvoir exploiter cette diversité de demandes et satisfaire à cette demande précise. Et si ça, ça se fait, riz parfumé, riz brisé, etc. Bon, les consommateurs accepteront bien le riz qui sera produit. Surtout, comme je le dis encore, dans 15 ans, ils n'ont pas le choix. Ce que l'Afrique aura produit, c'est ce qui va contribuer ou participer à la satisfaction de la demande mondiale. Merci encore une fois pour les nombreuses questions. En tout cas, Africa Rice est très heureux de savoir que ce que nous sommes en train de faire est vraiment attendu du grand public.